4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wow! Le nouveau record dans les rendez-vous du voodoo, Annie Brocoli. Le moment voodoo, quand tu fais un recul dans ta vie, que tu t'es dit, c'est là que ça se passe, que ma passion va devenir ma réalité. Black Voodoo Expert, rendez-vous du voodoo. J'espère que vous êtes en pleine forme. On se fait recevoir rougement. La place est chaleureuse. J'ai nul autre qu'une actrice, une animatrice québécoise, une chanteuse québécoise, la marraine de Youpa. Wouhou! Dans les fonds de mer, tous les papas et les enfants s'en souviennent. Annie Brocoli dans la place. Black Voodoo! Annie, oui. Ce que j'aimerais savoir pour nos auditeurs, pense à moi et toi, dans ta coccinelle avec ta marguerite, tu as 30 secondes pour me définir qui est Annie Brocoli. Annie Brocoli, c'est une mère de famille. Oui. Qui a toujours eu plein d'imagination. Fait, quand j'étais petite, je vivais dans un monde imaginaire. Je voyais toutes sortes d'affaires. Puis un jour, quand j'ai eu mes enfants, ben, j'ai pu écrire des chansons, écrire plein d'histoires, oui. Puis rendre finalement... visuel, vraiment en vie, tout ce que je voyais dans ma tête. C'est comme si j'avais sorti des affaires de ma tête et que j'avais eu la chance de les rendre réelles, finalement. Qu'est-ce que c'est le 99 pour toi? Qu'est-ce que ça représente cette année-là? Ben 1999, pour moi, c'est le début de la vie de Brocoli. Puis le bug de l'an 2000, moi, c'est plus que ça a débugué ma vie, au contraire, tu sais. Est-ce que j'aimerais t'emmener un peu plus loin avant 1999? Moi, ce que je cherche chez mes artistes ou les gens que je rencontre, c'est le moment voodoo. Et j'aimerais que tu me parles du moment où tu as réalisé que Annie Brocoli allait vivre. Moi, j'ai toujours écrit. Puis le père de mes enfants faisait de la musique. Puis à un moment donné, il a pris un de mes textes. Puis il a mis de la musique dessus. Puis alors que moi, je voulais être comédienne, puis je voulais avoir une garderie. Fait que c'est comme si les deux, la musique qu'il a mis sur mes textes, qui était pour enfants, même si je les écrivais pour moi... Ça a été comme un déclic qu'on a fait comme « Ah, attends un petit peu, c'est ça qu'on va faire, tu sais, qu'on aimerait faire, mais tu sais jamais si ça va arriver jusqu'à temps que ça arrive. Il n'y a rien d'acquis en vie. » Comment tu vis avec les papas qui étaient toujours tripés sur Annie Brocoli puis les enfants qui tripaient sur Annie, la conteuse d'histoire? Ben écoute, c'est vraiment le plus grand mythe qui existe autour de moi. Ouais. Quand je suis devenue Annie Brocoli, c'est là que j'ai arrêté de pogner, tu sais. Parce qu'il y a quelque chose de... C'est pas vrai qu'il y avait plein de peurs après moi. Parce qu'il y a quelque chose de très... Hey. Non, j'étais plus souvent à mes shows que toi, hein? Non. Parce qu'il y a quelque chose de pur avec une chanteuse pour enfants, de je sais pas, il y a comme un auréole au-dessus de la tête que tu fais comme... Tu sais, peut-être qu'il y a des papas qui m'ont trouvé cute, mais écoute, j'ai jamais si peu pogné de toute ma vie. Sérieuse, là? Oh, yeah. Qu'est-ce qui t'a fait... Hey, moi, je fais le Zoo Fest. La première chose que j'ai dit, c'est non. Faut pas en tout. T'sais, je trouvais que c'était de me mettre beaucoup en danger. À un moment donné, un matin, je me suis levée et je me suis dit, ah, ça serait quoi donc le titre, juste pour le fun. T'sais, j'allais pas le faire, là, mais juste pour le fun, le titre de mon One Woman Show. Puis là, il m'est venu La Vierge Annie. Parce qu'il y a plein d'affaires que j'ai pas dit, comme le mythe de la chanteuse pour les papas. Ça, j'ai beaucoup trop entendu. Plein d'histoires, tu sais, que les gens ont une idée de ce que c'est une chanteuse pour enfants, puis dans le fond, c'est juste une femme, tu sais. Fait que je me suis gâtée. Ah, tu l'as lâché l'os, hein? C'est parmi les plus grands stress que j'ai eu de toute ma vie. Ah oui, hein? Ouais. Le Téléthon pour enfants solaires. Ouais. Là, je vois une dame qui arrive, qui parle, puis je la reconnais, elle. C'est Annie Brocoli. Ouais. Puis là, quand tu animais, on voit une autre Annie. Une Annie avec un grand cœur plus grand que la terre. Ah, parle-moi de ce moment-là, quand tu faisais le Téléthon, parle-moi des enfants, comment tu vivais ce moment-là? Bien, en fait, tu vois, ça va être la 14e année que je vais animer de fil le Téléthon au Père Enfant Soleil, puis je peux pas m'imaginer arrêter de l'animer. En fait, grâce à un petit garçon qui s'appelle Émile, le petit Émile, je pense en 2003 ou peut-être 2002, je me souviens pas, mais c'est un petit garçon qui a eu un genre de virus à son cœur. Puis son cœur a arrêté de marcher, puis ils ont mis comme un cœur artificiel.
Puis à un moment donné, il était découragé, puis sa mère, elle a appelé pour que j'aille voir son petit garçon. Mais moi, j'étais incapable d'aller voir les enfants malades. Sauf que là, cette fois-là, sa mère a dit, écoute, mon petit garçon, il est vraiment découragé, puis il a vraiment besoin d'un petit boost, puis il trippe sur toi, tu sais. Fait que j'ai pris comme mon courage à deux mains, puis je suis allée le voir aux soins intensifs. Ouais. Puis je suis arrivée là comme vraiment, j'étais à l'envers, tu sais, puis j'avais apporté des petits collants. Puis j'ai dit, t'es tannée hein, de te faire piquer, hein? Puis t'es tannée d'avoir mal, puis tout ça. Fait que oui, je vais te donner des brocovitamines. Puis à chaque fois que tu vas être tannée, tu vas te coller une brocovitamine sur la main. Puis ça va faire que je vais penser à toi, je vais t'envoyer de l'énergie. Mais en sortant de là, je m'étais trouvée tellement innocente avec mes brocovitamines, j'étais comme « my God ». Puis à un moment donné, à peu près 3 mois après, le petit Émile, il a eu son cœur. Il a eu sa transplantation de cœur. Puis sa mère avait passé aux nouvelles. Puis, il y a une journaliste qui avait demandé « Qu'est-ce que vous avez fait quand il y a eu des moments de découragement? » Elle a dit « Ben écoute, j'ai appelé Annie Brocoli puis elle est venue lui porter des brocovitamines. » Si c'est juste ça, mettons, être là 5 minutes pour quelqu'un puis y apporter un sourire, si juste ça, ça peut faire un baume sur le cœur d'un enfant ou sur une famille, sur le cœur d'une mère, ben why not? Mais pourquoi pas embarquer dans un véhicule qui peut toucher encore plus de monde, tu sais, puis vraiment changer plusieurs vies, finalement. Fait que c'est là que j'avais décidé d'aller travailler, ben, faire du bénévolat, en fait, pour Opération Enfance à l'aide. Les moments des vaudous, les rendez-vous du vaudou, c'est aussi pour moi de me permettre de te laisser un gage de remerciement important qui compte beaucoup pour moi, puis qui est gravé sur un moment qui est un moment vaudou aussi pour moi. OK. Mais qu'est-ce? Ah, c'est bien cute! Oh, wow! C'est donc bien beau! Et ça me rappelle les bons souvenirs, merci. Ouais, vraiment. Merci d'avoir pris le temps avec vous. Le rendez-vous du voodoo avec Annie Brocoli dans la place. One love, baby!